Salut! Aujourd'hui, je vais parler d'un manga qui est très 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 peu connu, mais que je trouve super, Karakuri Circus. Oui, bon, le nom, c'est vrai qu'il est pas... Il est un petit peu bizarre, quoi, mais le manga est super bien. En fait, ça parle Ouais, c'est d'un gamin qui est très très riche, et que du coup, toute la famille veut le tuer pour avoir l'argent. Et toute la famille du petit gars. Et alors, le petit gars, il découvre un mec musclé qui a une maladie inventée, hein, bien sûr, qui fait que quand on ne rit pas pendant longtemps, ou quand on est stressé, ou quand les gens sont stressés autour, eh ben, ça lui fait très mal, ça l'empêche de respirer. Et dès que les gens rient autour de lui, hop là, il peut revivre normalement. Alors vous me direz que c'est un petit peu bizarre, mais pourtant le manga est assez sérieux et ça rentre plutôt bien dans l'histoire. Et il découvre aussi une dame qui s'appelle Shirogane, qui, alors elle, c'est une sorte de garde du corps, hein, elle a été faite exprès pour le protéger. Et en fait, comme beaucoup de personnes, c'est un petit peu le sujet du manga, eh ben, elle a un mannequin en fait qu'elle peut contrôler, comme ça, avec des filles. Et les combats, ils sont vraiment stylés. Si vous voulez, je vous en montre quelques-uns. Attendez, hein. Je vous en montre déjà quelques méchants. Attendez, hein. Voilà. Alors là, il y a un combat de mannequin. Ça, c'est le mannequin du personnage principal. Avec son bras dans un bras. Ok, d'accord. Et ça, c'est un autre. Il y en a plein, plein, plein. Moi, j'ai que le 1, le 2, et malheureusement, même si je pouvais les avoir tous, je ne pourrais pas les avoir tous, car tellement il a été peu connu que la traduction en français n'a pas été complétée en France. En fait, du coup, en Japon, il y a le truc en entier, mais pas en France. Donc moi, j'ai juste le 1 et le 2, du coup, le manga est vraiment bien, il y a quand même beaucoup de, enfin, il y a quand même de la comédie. Les combats sont vraiment stylés. Et, allez, un dernier truc. Les dessins, ils sont assez stylés. Le fait qu'il y a un mec qui contrôle super bien les arts martiaux aussi. Et il y en a une qui contrôle le mannequin. Ça fait deux choses différentes. C'est aussi super sympa. Du coup, ben voilà, c'est la fin de cette description de manga. Donc, je vous mettrai le nom au cas où, si vous ne savez pas comment ça s'écrit dans la description. Et je vous dis salut!